L'éditeur Franck Berthoud est ici. Je suis l'une de ses autrices. Franck Berthoud publie, il va vous en parler après, il publie autant des livres de cuisine, des livres sur la nature, des romans et de la poésie. Et c'est pour la poésie que je suis ici, puisque j'ai publié chez lui plusieurs livres, dont des traductions de l'anglais et de l'italien. Et il m'a octroyé un petit temps pour mes autres livres, puisque j'ai publié avec d'autres éditeurs, des livres avec un éditeur lyonnais, dans La Noyée d'Onagawa, qui parle de l'événement de Fukushima et de ses suites. C'est l'histoire d'un Japonais qui a plongé, qui a appris la plongée et qui a plongé 3 ans après le désastre afin de retrouver le corps de sa femme qui avait été emportée par le tsunami. Voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup inspirée, c'est un récit sous forme poétique. Marilyn, que vous venez de voir, elle a parlé des éditions, mais elle a oublié de dire qu'il y a aussi une grande part de livres jeunesse, des albums pour enfants, oui. Et aussi de la bande dessinée. Donc on est vraiment beaucoup de choses très diverses. Ah, on a une grosse, une grosse collection de poésie. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.